Alors, ça devrait marcher. Parce que la réponse est adaptée. Ah bon? Je suis au port et invitable. Ah, c'est cool. Il va se barrer comme un chien. Il paraît qu'il faut faire des snipes alors. Oui, s'il te plaît, j'ai cordialement. Oui, s'il te plaît. Ouais, Malheur, il va nous choisir un petit tiers déjà. C'est moi qui choisis. Oui, parce que tu as reçu mon copain. Tu choisis. Oh. T'as vraiment ramené le bot là? Ouais, il a ramené le bot. Non, mais il peut pas chanter, donc c'est ridicule. Venezia, carrément. Je sais pas. Ça va, m'embête pas toi. Ah, un petit tiers, c'est ça ton petit tiers? Waouh. J'ai jamais dit que je joue au petit tiers, moi. Dans le cross là. Ah, tu veux du petit tiers? Non, je suis bon, j'ai pris mon petit tiers. On a pas dit un petit bateau, on a dit un petit tiers. J'ai pris un tout petit bateau, franchement sur l'eau tu me dévastes en 2-2 si tu sais bien viser. Et là tu te bouffes une dévaste. Ah bah je mériterais un Colbert, mais un Colbert ou un Smollett ça ne mérite que ça en vrai. Ça ne mérite ouais, que ça. Ouais, sauf que Colbert Smolensk a l'anti-cheat. C'est la vie, un rapide bis, c'est la vie. Pourquoi t'as mis ça loulou? Moi je sais pas, c'est mute. Pareil, moi j'ai un insta-mute. Oh putain. Salut Red Bull. Wait. Moi le DJ est mute hein, par défaut, je le dis. Ah pareil, snipe T10, allez en avant. T10 man. On n'est pas là pour être ici, moi je vous le dis. Hein. Si vous voulez mettre rien, pardon, ils ont pas connu. On n'est pas là pour souffrir. Exact. Tiens d'ailleurs, t'as changé. Je fais tâche avec mon iPad. Changé... J'aurais dû rajouter des tirets sur le clan. T'as changé quoi? T'as changé de PC ou pas? Non, je suis modo, cross. Oui, t'es modo. J'ai changé de PC, non, je suis contraint okay, et forcé. Ok, je peux Théo, loulou déjà. Ouais, je suis contraint et forcé pour la blague de travailler sur ma partition Mac. Et en fait, mon PC donc, sur lequel j'ai commencé à streamer donc il y a 2 ans maintenant, il a une partition Mac. Dessus. Ils sont en face. C'est donc j'ai installé bien. Ce qu'on appelle un Hackintosh dessus. Pour oh, il y a des noobs en face. Ah ouais, il y a des gros noobs en division A. Oui. Ah, il a pris un Kremlin. Il a pris son meilleur Smolensk. Qu'est-ce que j'aurais droit? D'ailleurs, on va peut-être. Laissez-le tranquille. On va mettre le bot son. Voilà. Mets EA, s'il vous plaît, dans le chat. Connard. Bien sûr, ça va être loulou. Mais j'en ai EA. Attends, il est pas passé. Attends, il y a un H. Il y a un H avec le E, ouais. Ouais. Mais j'en ai. T'es mort, Croc, je te jure, t'es mort. Vengeance. Vengeance, coucou. Oh, si tu savais, j'enregistrais bien, Pierre. Pardon, excuse-moi, ma. Pourquoi tu roses le désert, ça? T'as mis un cooldown. Je sais pas où il va en sort. J'ai mis un cooldown d'une minute. Ok, bah dans une minute, il repart. C'est vrai qu'il y a tous les caddies qui sont div. Ah, j'avoue. Fred. Et un saut, si tu veux rejoindre le vocal, n'hésite pas, hein. Au pire, je te. Non, mais il le sait, hein, t'inquiète, hein. Ils sont en face. Oh, on se fait streamac en plus. En plus, on se fait streamac, ah bah oui. Hein. Streamac. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si un saut a les droits pour venir dans le VIP. Normalement, un saut il VIP de mémoire, il l'était en tout cas. En tout cas, il n'est pas connecté sur Discord, moi ça je peux vous le dire. Voilà, donc non, mais après t'as un nombre de places limité. Mais s'il a envie de venir, il viendra, il vient ah pas. Ah oui, non, mais effectivement, le VIP lounge, généralement on est 3. Ah, il est déjà sur un vocal. Il a sa petite partie dans son coin. Ah, mais il a raison. Ah merde, tu rentres dedans. On est trop brillant. Mon RPF est là. Hein? Désolé, un saut. Ah oui, c'est Alvenezia, je suis con, je crois que c'était toi le répu, je te... What the fuck? Il vient de switcher là. Ah, c'est moi le répu. Ok. L'incapable. Le RPF, c'est la nouvelle méta. Ouais. C'est ça, je te. What the fuck? Je veux bien que ce soit clan battle, mais. Mon répu, qui pue. Faut être honnête. J'arrive pas en répu. Franchement, il est OP, hein. Non, c'est pas celle-là. What, vous nous faites un living sur C ou. Non, c'est moi je suis pas sur C. Hein. Littéralement pas sur C. Pas non plus.
écoute, moi je fais ma merde. Je suis derrière. Je suis pas sur C. Notre CV niveau spotting, c'est pas ça. Hein. Ouais, il a quand même permis un spot sur le Smolensk qui s'est pris un tir de life. Ah, mais oui, bien évidemment. J'ai le report pour un saut. Et Kaline aussi. Don's quoi, tiens. Voilà un client. Je crois que j'ai vu un criminel. Cross, c'était quoi ta commande de son? C'est samples en anglais. Ok. Merci. De rien. Ouh, j'ai pris un target 5 instant là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a un truc qui a là. Donne quoi? Ouais. Vous avez l'air d'avoir un Iowa très courageux, hein. Ouais. Il a une grosse perte de bollocks, votre Iowa. Oh putain, ouais, sauf qu'en fait, de l'autre côté, ça va jamais finir. Chapayo, Kutuzov, il est déjà 2K. Notre Kutuzov, il a pris tarif aussi. Hein. Ouais, c'est le problème d'un Nonsko qui est bien push. Hein. Tu sais combien j'ai dégâts? 0. Tu sais que j'ai 0 dégâts aussi, mais... J'ai pas touché pour l'instant. Ah, ça c'est un problème. Moi j'ai pas la portée, c'est juste ça surtout le souci. Non, moi j'ai tiré sur un Iowa qui a l'air de tirer en approche parce qu'il a de suite tourné. Kaline, c'est ce que tu fais. Et t'es le seul que je vois, écoute, j'ai pas trop le choix. Bah, toujours le choix. Ah. Spot par qui, par quoi? Ah, le problème c'est putain. Putain, merde. Lightning qui me spot. Oh, merde, il n'a déjà pas teammate non plus. Bah, regarde ce qui se passe sur A. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'amour pour moi là. On a un Yamato marche arrière. Les meilleurs. Ça m'étonnerait pas qu'il shoote à la chose. Ouais, c'est le lightning qui me spot instant. Lightning qui me force à bouger, lightning qui ressent va. République est juste un gros croiseur, bah c'est un délire. Et puis c'est pas un cuirassé. Il va vite, il a de l'armure sur sa vitesse. Super. Non mais sérieux, putain, j'ai touché 5 obus, 5 ça a été 5 ricochets ou non. Allez, on va se bouffer un... On va se bouffer un stomp. Il n'y aura pas de match. Ah, j'aime le fil de l'autre côté. Je suis un peu encerclé au mid, tout va bien, all is ok. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de remonter sur A. Mais... En plus, ouais, ouais, bien sûr, allez, Smolensk a l'armure du shit pété, c'est-à-dire je me fais overpen et je sers à rien d'autre. Retire, connard. Limes, je n'ai pas le choix.
Je hais Smolensk. Ce navire vraiment est une aberration. Ça se dévaste bien quand même. Non, ça sauve Arpen uniquement. Non, ça se dévaste bien. J'ai jamais réussi en croiseur, à dévaster un Smolensk à part avec un croiseur léger. Oh mon croiseur lourd aussi. Non, non, j'overpen en croiseur lourd. Je tire pas au bon endroit. Je tire au niveau de la coque. Et je lui fais non, non, ta gueule, t'overpen. Voilà, nous on a un compte CV qui a pas bougé, qui va venir. Le Richelieu va déborder. Je vais être mal. Assez de broadside pour que je puisse l'engager à la paix. Aïe! T'as pris 10 overpen, hein. Te plains pas. Hein. Ça aurait pu être bien pire. Plus de dommages en tirant à l'AB sur un DD qu'en tirant à l'HE. On va perdre notre abruti de CD. Tout ça, j'ai le mec n'a pas vu que son équipe se faisait enfoncer, il n'a pas bougé. Hop, voilà. GG. Super. Oh, Luda. Luda, ouais. Luda. Aucun. Allez, va te faire foutre. J'ai parfaitement tiré Luda, entouré Luda, mais je ne l'ai pas touché. Ça serait trop con que les obus tombent là où je veux. Game, le jeu arrive déjà. Moi j'ai 17 obus touchés, j'ai 800 de dégâts. J'ai 15 cas de dommages. C'est que tu m'as donné presque 1 million de potentiel de mode. Bah ouais, mais je sais pas, y'a rien. En fait, Non mais attends, t'es sérieux que le connard d'Implacable a réussi à survivre avec un chasseur sur sa gueule? Ses avions sont pas morts. Première fois que je vois ça, le mec a des chasseurs qui lui focus, les avions ne meurent pas. Eh bah putain. Le Smolensk qui se moque, non? J'ai un Sundy et un Amalfi sur ma gueule déjà, tu vois. Plus un Implacable. Un Implacable, pardon. Donc table, c'est la, enfin, la demi-table, c'est la merde. Bugeloud, mon petit un peu tard, j'ai pas d'amis un peu tard. C'est qui ça? Ah, il est survi mon secondaire Red Bull, hein. J'en ai rien. Secondaire, j'ai pas aimé. Hein. Bien sûr, Sandy qui va. Il y a 3 semaines qu'il va prendre ses débuts. Tiens, le dialogue est arrivé en tirant dessus. Tiens, aval tes dents. Ah, mais c'était Kremlin de l'Orso qui me mettait ça tout à l'heure. Là, je vais faire défoncer par Kremlin. C'est soit Kremlin, soit connard de Sandy. J'adore. Ah, 25 000 de dommages la game. Hein. Le crémation. J'ai fait 25 000. J'ai un saut sorti au bon moment là, tu vas le faire très mal. Hein. Ah,
de troller et que t'aurais tiré au-dessus, mais non, t'as bien tiré. Ah oui! Oh la vache, c'est un non-game. Hein. J'ai pas d'amis. Vous comprenez, non, y a les stomps en ce moment, c'est pas un problème, non? Le temps de moyen de partie n'a pas baissé. Non, je fais combien? T'arrêtes de rager sinon, toi? Ouais. 84 000. Je fais ce que j'ai pu, 13 incendies. Ah ouais. J'ai fait 80 000. Non, par contre, tu moufas, ça c'est clair. Ils vont commencer. Par contre, j'ai fait chier Kaline pendant toute la game. Ça c'était cool. Moi j'ai fait chier l'Iowa pendant toute la game. Non, mais c'est vraiment casse-couille là. Elle m'a tiré dessus pendant facilement 10 minutes. Cool. Attends. Mais j'en ai. Ah! Voilà. Excusez-moi. C'était une petite envie répressible. Siberia veut j'ai quoi hein? Je crois qu'il va avoir du mal à parler. Oui. Ah, il s'est fait bouge? Je te laisse deviner. Il s'est fait bouge. Non. Serveur mute. Ah ouais, on en est là. Quelle bande de salauds. C'est pas moi. C'est, ça c'est Kaline. Oui. Kalinette. Tu vas te prendre une gifle. Siberia veut jouer quoi? Chib. 2 secondes. Ah. La Galissonnière. Tu remontes les Français? Non. Je monte un capitaine. Ok. Capitaine pour Bayard, mais... D'accord. Et vu que les parties des 10 sont insupportables, bah on va jouer en bâtière. Ma foi. Il veut jouer quoi, le mana? Il veut jouer un petit DD ou il veut jouer un Battleships, man? Ce sera du croiseur pour moi. Croiseur? Ok. Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je pourrais jouer en T6 qui... J'ai pas joué depuis longtemps. Molotov, ok. Sim c'était 7. DD tier 6, c'est quoi c'est... Non, j'ai pas Farragut. J'ai plus Farragut? Putain, j'ai vendu Farragut? Best DD ever? Je suis vraiment con. Best DD ever? Farragut? Farragut, c'est un monstre. Très bon DD le Farragut. C'est un monstre. Déteste. 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 Mes premiers Kraken en DD, c'est Farragut. Voilà. Non, allez, vas-y. Shinonomine. Shinonomine. Shino, il est excellent. En fait, je suis en train de tilter, il n'y a plus aucun tiers où il n'y a pas un navire cancer maintenant. Si, le 6. À part peut-être le T9, mais bon, vu que tu t'appelais si, Game T10. 6. Ah, bah 6. Shino. Attends, 6. Parce que pour Shino est un hyper discret, mais hyper compliqué à choper. Pour toi, le Burst qui peut être vachement chiant si t'es un joueur. Pour toi, le Musashiel qui t'a casé, c'est pas des bateaux cancer. C'est pas du cancer. Musashi, quand il est en T7. Qui t'a casé, c'est cancer. C'est complètement cancer en T9. Le Kita? Ah oui, le Kita, c'est d'être l'un des... C'est probablement le meilleur des T9 du jeu. J'en ai pas souffert, le Kita, je trouve. Il est incroyable. C'est un Narugumo sans les faiblesses de l'Arugumo. Au prix d'une toile. Ah tiens si j'ai une idée, je joue un truc sympa en DD. Voilà. Y'a le Monan. Non. Ah non, je vais prendre je prends de Battleship. Ah mais un truc que j'ai pas joué depuis que je l'ai. Dunky. Et voilà. Où est-ce qu'il est Dunkirk? Jean-Charles Dunkirk. Attends, bouge pas. Où est-ce qu'il est? Là. 19 points, mais voilà. C'est méta. Snipe T6, en avant. Mais c'est fou quand même à quel point le T10 m'insupporte en ce moment. C'est les navires que j'ai envie de jouer, mais les games sont chiantes as fuck. Elle a rage quit, Kaline, pour de vrai? Non, elle n'a pas rage quit, elle est là, mais c'est... Elle est bête mute. Enfin, mouvée. Et après, elle boude. Elle boude? Ouais. Qu'est-ce qu'il a move? C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Ah, c'est moi. Mais quand je suis salé, faut pas venir ajouter du sel. Hein. Elle a mouvé au coin? Tu vas pas nous faire une Swagger qui a sagué au bout de 10 minutes. Oh, ils sont avec nous. Swagger, il a salé. Oh, regarde-moi, c'est... Regarde, un CV, il a pris un CV. Putain. Il y a deux CV, putain. Oh là là, il lui tire 8 en plus.
Ouais, autant Furious, j'en ai rien à battre. C'est bien. Autant Shoka, il va plus me casser les couilles. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez eu dans le chat, il y a un code qui est sorti pour... pour... Oui, tu veux que je le mette ? Hop, voilà. Ouais. Alors, on est en première ligne dans une game T8. Je propose qu'on tempo plus. Massachusetts. Putain, mais tout le flanc est, c'est que du T8. C'est vraiment décroissant. Tu prends les T8 à gauche de la map et tu descends, c'est que cool, ça vient au T6. Cool. Ouais, par contre, du coup, je sais pas si on est en spawn miroir. Enfin, si on est miroir sans. Enfin, comment va être les spawns en gros? Je pense que c'est T8 en face. Hein. Ouais, c'est ça. Si on chope les T8 en face, ça va être chiant. Ouais, une torpe, c'est une torpe. Hein. Le seul problème, c'est que. Plein d'avions. Ouais, là. Ouais, toi. Hein. Bah, il y a le counter du chinois. Je vais me cacher. Je me cache-cache derrière la montagne. Hein. Regarde, en plus, mon CV est mis des avions. C'est quand même très gentil de sa part. Après, le chino, il est un bon conseiller monterrain. Ouais. Alors, on a Gnezeno London, non, c'est du T6. Du New Mex, c'est bon. C'est miroir, full miroir. Ouais, jusqu'à ce que s'ils n'ont pas un bébé qui a dessiné de faire transfert. Hey London, montre-moi un peu de broadside, je te dirai. Un DD en face. Ouais. Adorable. Ils vont faire petite main. Devant toi. Je descends dans le couloir avec toi. Ça sert à rien de toute façon, il y a les avions du Furious qui vont passer en chaîne par le milieu. C'est ça. Mais descends pas trop, hein. Descends pas trop, t'exploses pas plus que ça. Je prends... Oh là, je risque rien. Je prends jamais de risque à considérer. Franchement, pareil que moi quand je joue DD. Ouais, sauf que toi tu meurs régulièrement en DD. Enfin, je vais rien dire, je suis pas mieux. Vas-y, rentre dans ma smoke, tourne tout de suite. Non, je vais pas rentrer dedans. Il y a Fubuki au mid. Je vais peut-être éviter un blab du Furious en fait. C'est un blab. Le mec il va essayer de me viser. On va commencer son attaque. Bonjour, allez hop, moi je me casse. Ok, une non-peine. Voilà, j'ai pris aucune bombe. Putain, oh, fou. Excusez-moi. Lui est en train de perdre ses avions. Le problème, c'est que j'ai New Mex, j'ai tout le monde sur la gueule. Je suis exposé un petit peu comme il fallait pas. Oui, mais j'ai compris l'idée. Fubuki, par contre, serait bien qu'il dégage. Bon, en fait, ils sont tous en train de passer sur le côté aussi. On va jouer français kite, hein, ce qu'il faut. Ouais, te fais surtout. Bref, ouais. C'est l'île qui veut pas. Oh le Fubuki, qu'est-ce qu'il a pris? Je suis bien parce qu'en fait le même il tourne, donc il n'y a pas le spot. Ah, y'a autre chose qui me spot, y'a autre chose 100% qui me spot. Y'a un DD et un plus, hein. C'est pas possible, y'a un DD qui est par là. Hein. Non, y'a pas d'autre DD. Y'a qu'un seul DD. DD dans la game. C'est New Mex qui... Ah, c'est New Mex qui me spot, autant pour moi. Ok. Bah là on décroche, hein. Les CV vont pas nous lâcher. Théorème. Casse. J'aurais bien aimé lâcher les torpes avant de partir. Mais... C'est ça. Tu me vois. Un saut s'il nous entend, faut que t'ailles couvrir Chine. Le CV peut me spot si je peux pas me faire tirer dessus, c'est pas grave.
hein, par contre il va me casser les couilles à moi. T'es mon FDP. Il revient pour toi là par contre, Furious. Oh le smoke. Ah non, comment encore? Oh, je suis pas smoke. Mais va te faire foutre, putain de torque de mes couilles! Et bien sûr, j'ai la flood. Oh merde! Bon, allez. Je suis mort. Merci, au revoir. Putain. Oh, mais bordel! Pourquoi il n'y a eu aucun allié qui est venu là pour me soutenir alors qu'il y a littéralement 6 navires qui sont là? Parce que les battleships prennent l'extérieur, ça leur fait perdre du temps justement. L'idée c'est qu'on prenne le mid avec le football. Oui, mais là, ils sont free, ils vont juste avancer. Non, dès que j'ai du breton, mais moi, je suis venu te soutenir, mais. Oui, non, mais à deux contre le truc avec un CV qui m'a pas lâché, mais ça c'est bon. En fait, l'erreur que j'ai fait, c'est vous avoir voulu venir t'aider sur les chasseurs quand ils t'a spot. Oh, j'aurais pas dû. Je t'avais dit. Vraiment aucun de fou. Ouais, non, mais ça m'a fait. Je pouvais me barrer facilement en fait, c'est pour ça que c'était pas dangereux. Par contre, fais attention le cross parce que là tu es en train de montrer ton fait, t'es facile. Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé. Enfin, t'es pas en train de tirer là. Arrête de tirer. Tu continues d'avancer, t'as un spot CV. Hein. Bon, allez, au revoir. Et le spot CV va pas durer une éternité. Un petit 7-4 bombes, on aime. Je fais mon meilleur 970 pour l'instant. Je suis très loin de mon score en BD. Ah, ce London, j'en peux plus. Oh non, mais lui, il me casse. Allez, avance avec ton. Ta double cita s'il te plaît. Oh non, mais ça je supporte pas. Non, le London quoi. Oh, le trolling à l'extrême. Dude, tu aurais eu mes obus, mais c'était pile poil cita. Soit j'ai une désynchro de la mort qui tue. Oh, le furious est là. Ah, ok. Il y a beaucoup de désynchro en ce moment. Ah, mais mec, tu aurais vu mes obus. Je vais regarder le replay où est-ce qu'il tombe. Mais waouh, juste waouh. Je prends un float sur la première salle de torpille, j'aime. Vas-y. Ce que j'aime bien que les CV1 fait face, c'est qu'ils jouent pas très simple. Et les mecs, ils vont pas retarder un drop parce qu'ils viennent de spot un délai et que potentiellement quelqu'un peut tirer dessus, etc. Heureusement, parce que putain, c'est bon ça. Mais j'en ai un. Est-ce que je peux désengager? Non, j'ai un Eisenhower. Je ne pourrais pas désengager. Il va prendre des torques. Enfin, une torque, il y a un peu. Putain, 17k. Merci le Furious. J'ai les CV. Le push est a fonctionné, mais alors 17 000 quoi. Et alors ce London, sans déconner, le London. Le cul bordé de nouilles. Bonsoir Canaf. Enfin bonsoir, bonjour même, hein, 2h36. Hein.
gap. Le gap il a craché non? T'es pas dans ton jacuzzi Cross? Non j'ai pas fait de jacuzzi. J'ai l'impression que je suis... J'ai fait le fils papa, alors c'est tellement pas moi, c'est horrible de dire ça. GG. Le Furious est sur genre D9 ou E9. Hein. Ouais, je vais le chercher. Si t'y arrives, t'es le meilleur. De pire, ce qui va être win, mais j'ai le sentiment d'avoir rien fait de ma gamme. Alors, ça va dire super. Il est sur F9. Ouais. J'y vais, un saut, t'inquiète. Il y a le New Orleans aussi. Oh, le London, je laisse à 6K. Tu peux buter tes avions pour rien. Il bouge pas en plus. Non mais dégomme-le pour moi par contre si tu peux. Avant le temps imparti ce qui va être chaud puisqu'on tombe à 150. On est rentré dans la cape avec de l'autre côté de notre Dunkerque. Ils ont 3 bébés dans la cape. Le NO je pense qu'il est en train de baliser de ouf. Il prend un saut. C'est quoi que ces avions disparaissent là? Ou Seaborn, le spot peut-être du NO. Et Lozer. Mais j'en ai... Ah. 3 bornes. J'entends un bruit d'AK-47 sur ton pont, ça se passe bien mal. C'est il y a un connard qui me fait. Ouh, ce dodge. Quel talentueux. Ah, ça par contre ça risque de pas être bien dodgé. Plus. Les guns peut-être. À la paix, disrespect. Je me fais même pas. Il va prendre les. Je pense qu'il va prendre cher. Non, même pas. Il en prend 3, 2. Il était en train de réaccélérer, il en prend 2. Non. Même pas. Non, il en prend pas. Peut-être une. Si, une. Ouais, il en prendrait une. Il a réaccéléré très fort d'un coup. J'ai sous-estimé la réaccélération. Je le voyais pas quand j'ai torpé. Ouf, le tirpit par contre l'a vu, Kraken du tirpit GG. J'ai fait pareil, Kraken, tout pareil. Kraken imaginaire. Ah après, ouais. Quand t'es en T6 avec du T8 en face, c'est pas facile. Bah non, mais là en fait y'avait pas de T8 en face donc j'ai aucune excuse. Juste le Gnaze il m'a mis tarif parce qu'il avait pris le flanc. Et là où j'ai pas eu de bol, c'est London, mais le London, punaise, mais non quoi. Franchement, je vais regarder mon replay, je suis certain de lui avoir mis les obus dans la Cita. Sur ma vidéo du moins et sur mon angle, c'était Cita tous les voyages. J'ai mis triple overpen quoi. Tous les voyages. Ah, tous les voyages, t'es Cita. Hein. Bah, vu que t'es full broadside, l'overpen, j'y crois moyen quoi. Je regarderai aussi le schéma d'armure du London, mais... C'est pas des flottants. Je n'ai servi à rien. Ah bah tiens, on est mais deux. J'en hein. Ai... Ah mais pareil, j'en ai EA. Pareil. Tout pareil, Canaf. Oh là là, j'ai honte. Mon dieu. On est d'accord que je vais pas rester là-dessus en bébé, hein. T'as vu quand
Mais d'accord. Je vais prendre un bébé que j'apprécie aussi. L'aurait pu. Voilà. Par contre, le Katien 12 points, comment te dire que ça va pas être possible en fait, Johnny. Toi, ce sera stage de surf. Parce qu'il est le vrai Katien aurait pu. Mais sur Dunkerque. Oui. Une place, VXB, mais oui. Pour d'autres femmes. En général, je suis fidèle. Et les gens que j'ai aimés. Mais attention, là, je vais tryhard, hein. J'annonce. Tu veux dire plus que d'habitude ? Là, ouais, sur celle-ci, je vais jouer vraiment, vraiment tryhard, là. Ouais, vu que les clans battle, franchement, ça va se contraindre à une méta full Stalingrad ou full Radarados, Stalingrad Mosva. Mosva aussi, en fait, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Mais il a une boîte mode entière. C'est pas un Stalingrad, quoi. C'est pas un Stalingrad. Voilà, quand j'ai vu la A du Stalingrad, j'avais oublié la A du Stalingrad, honnêtement. 6 km 6, on en parle, quoi. Ouais, le pissou de Defa, c'est casse des culs. Question comme ça, tu vas tester Valorant. Alors j'ai la clé Loup de Vie, j'ai la clé, ça fait 2 semaines qu'elle est dans ma boîte mail, de la part de Twitch. J'ai regardé les streams, honnêtement, Loup de Vie, ça ne me hype pas plus que ça, j'avoue, vraiment, mais encore une fois, ça doit être moi, hein. Je pense que le problème vient de moi, quand je vois la hype sur les réseaux, mais ça me, enfin, moi je suis pas sensible à ça. Alors le moyen dont ça a été amené, c'était ça m'a pas fait encore plus kiffer le truc. Tu vois, souvent on te dit tiens viens tester un truc, tu vois. Là, le côté qu'on envoie ça à beaucoup de streamers, je vais pas dire tous les streamers parce que malheureusement Kaline et beaucoup d'autres n'ont pas reçu de clés. Mais voilà, non, j'ai regardé des streams, j'ai pas trouvé ça ouf. C'est pas du moins, c'est pas ma cam. J'ai jamais accroché à Overwatch malgré que je l'ai testé. Oh, je vais pouvoir refaire chier Kaline. Ok, un saut en Yamato, Kaline en Smolensk. Mais prendra-t-elle un autre chip en T10, on se le demande. Ouais. Les spells sont sympas. Je sais pas, Ludwig, je vais certainement l'installer quand j'aurai fini le grind de la branche des Italiens et des Paneu. Et après, je verrai, ouais. Jouer, c'est autre chose. Ah bah écoute, alors tu vois, ça c'est bizarre. Un jeu qui est bien joué mais qui est chiant à regarder. Ouais. Je sais pas. Tu vois, là pour moi, il y a vraiment un problème. Et après, on a tous un jeu comme ça en fait. Tu vois, je pense que chaque personne a un jeu un petit peu à soi qu'on n'a pas tellement envie de montrer. Moi personnellement, c'est Star Wars Empire at War. Jamais de la vie passerait en stream. C'est chiant comme la mort. Par contre, tu t'éclates à jouer. Mais ce que je comprends pas, c'est que Valorant, qui est chiant à regarder, a autant de personnes. C'est l'effet hype. Tu crois ? Oui. Ou, parce qu'il y a des gros streamers qui le diffusent. Ouais, bah oui. C'est pourquoi. Mais surtout, l'effet, vous pouvez gagner une clé d'un jeu qui sera au final freemium en regardant des streams. C'est tout con, mais niveau marketing plan, c'est parfait. Oui. The Selected Few, on appelle ça. C'est ça. C'est comme ça que OnePlus avait commencé sa stratégie marketing. C'est très longtemps. Je suis déjà spot quelque chose. Là. Ok. Bon, aussi, il y a 4DD, Alaska, Smolensk, je suis spot aussi. Je suis spot ici normalement. Kremlin qui va donner du broad. C'est son petit cas. Chungmu, ok. 8000 sur le crâne.
Alaska sur Kremlin aussi. Alaska, qui mériterait presque en fait, Alaska, il va se tourner pour moi. Ok, ça c'est du widespread comme on en connaît que trop peu. Ok, 6K sur l'Alaska c'est validé. Si on peut tous les faire backer, ça me va. Citadelle x 3 sur le Georgia, 48 000. Ah, salut République, comment ça va? Tu m'avais manqué, poulet. Ah, moi je suis refait. Ah, une citadelle x 3. Oh putain, ne me dis pas qu'il va reverse. Oh putain, il reverse. 6K sur le Georgette. Smolensk de Kaline et Yamato d'un sont de l'autre côté. En reverse, full reverse le Georgette. Bon, Georgette, c'était le mauvais turn, hein, on va pas se mentir, c'était le gros mauvais turn du jour. Un K, on a perdu Fletcher. Ça c'est Kremlin ça. Il y a une déto ou s'il y a une du Chungmu? Il a déto le Chungmu. Ouais. Ouh, c'est bien paqué. Ouh, c'est bien paqué ce tir sur la Lascache. Ouh, ça a piqué. Voilà, 13K. Coucou. J'aime quand c'est groupir. J'aime. Vas-y, tourne encore. Tourne plus. Salut République. Oh non, tu veux pas tourner plus? Ok. Faut que je fasse attention à mon flanc. Oui, il flambe. D'accord, GG. GG VXB. Attention au Kremlin. Voilà. T'as pris 40K aussi. VXB, t'as moyen de te retirer ou pas? Engine boost deactivated. 2000. I need support the allied. Oh là, ouais, la VXB est mort. Je pense. Alors je tente de me donner du broadside pour qu'ils changent de cible et qu'ils te prennent plus en victime. Mais je crois que c'est quand même toi sur qui va tuer avec XB1. Je donne mon meilleur broadside pourtant. Non, c'est sur moi. Tu vois, t'as encore un peu de répit. Même si je vais prendre cher pour toi là. Je prends 9K, ça va, j'encaisse bien. Si tu peux... AP, pardon, j'espère qu'il va entrer du broadside sur mon angle. Il est sur ma gueule. Ouais, j'ai vu. Si tu peux au moins donner de l'air à VXB, VXB, tu peux reculer. Ou tu vois, tu peux prendre un terre. Oh, si je peux avoir ce broadside, putain, ça serait le feu. Il va pas tourner, il va pas turning. Ah non, je peux pas, je peux prendre le tir. Il est passé sur Kitakaze. C'est quoi ce moisi que j'ai fait, dis donc? Je crois que je t'ai pas vu en saut, sérieux. Oh GG, Torpkita sont belles. Torpkita sont belles, il en prend une. Allez VXB. Oh putain, j'aurais une couche de face. En tout cas, GG Kita qui prend un 100+1. Il y a juste l'onde qui traîne encore. Il est devant moi. Ok. J'ai pas tanké grand chose si ce n'est pour sauver un peu VXB. Et VXB a pété son radar. Cette fuite de l'infini, j'avoue. Attention, VXB, c'est pas fini, t'as un Jutland. Hein. Je spot.
VXB prend pas la même pose que moi, ni le même alignement, parce qu'il va te torpiller. Il va me torpiller, donc tu risques d'être dans les torpilles. Ouais, c'est sur moi qui va être là. Tu crois? Ah, je suis bien devant vous. Hein. Je vois l'Alsace. Il tire sur VXB. Cette disp là mec, la dispersion. Oh l'obus de la chance avec l'incendie qui va au bout. Oh oui. J'ai vu un assaut. Un assaut, j'ai plus un Colbert. J'ai maintenant un République, je te dis coucou maintenant. Je t'avais dit. Ah yes putain. Vex, si tu peux aller près de Venezia pour aller l'aider sur le radar. Ce serait le feu. Dans une de ces deux cases. Ouais, t'inquiète pas pour moi. Et puis au bout d'un certain temps, quand on voit qu'il persiste dans cette voie, on finit par se dire qu'il a raison. Faut pas avoir peur du Yamato. Un petit peu quand même, j'ai beau me redresser, j'ai peur de prendre cher. Voilà, notamment un 14K alors je m'en rangle. C'est pas un Alsace full secondaire. Il est sur toi par contre. Ouais. Incendie perma dessus. Tu sais l'Alsace, je devrais le tanker. J'arrive à te dodge le gars. Voilà. Joli, j'ai trop de lead. Mille fois trop de lead. Ah oui. J'ai cessé un certain respect des autres. Une volonté de noblesse. Poinceau. Tiens, vengeance 13K. Vengeance, retour à l'envoyeur. Et deux sur lui. Ouais, moi, par contre, j'ai rien tanké. 1 300 000, ça va. Get back! Attention! Reporting the target position. Non. En tout cas, j'ai VXB avec la fuite de VXB. Dommage, j'aurais pas pu choper Kalin. Elle est cachée, Kalin. Là, 560, t'as intérêt à te cacher. Yugomos qui va te disrespect. Ah, mais on a un throw en Aland. J'ai pas vu qu'on avait un throw. GG Vex. Maintenant, tu me respectes les Jutland, Vex. Parfait. Bismarck, hello Bismarck. Comment ça va chez les Whips? Ça se passe les clans battle aussi? Je suis content souvent d'entendre l'avis de Bismarck sur... C'est souvent très net, clair et sans bavure les avis de Bismarck, j'adore. Y'a pas de fioriture. Bon, mais j'ai rattrapé un peu ma game en Dunkerque, dira-t-on, hein? Je vais me coucher. Tu vas te coucher? La rince cochon m'a rincé. Bah moi si je me couchais parce que demain matin, tout à l'heure je vais me lever dans 4h30. Ça va piquer à haut. Des bisous. Des bisous d'ailleurs, merci encore pour tout, pour les games et puis pour l'éclairage sur les clans battle. C'était ouais. Fun. Après c'est notre interprète. Oui mais vous avez souvent aussi ce côté vision du compétitif un peu éclairé aussi donc.
qu'on n'a pas forcément quand on a le nez dans le guidon, donc c'est toujours hyper opportun de faire un petit rappel comme ça. Ah, il faut trouver un moyen de gérer les Stalingrad. C'est pour ça que tu verras beaucoup de courriers aussi. C'est un moyen de communiquer avec les autres. C'est une espèce de cri d'appel. Ouais. Je suis dans un bois tout sur ce, bisous. Sur ce, bonne nuit à toi et puis à très vite. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant, Vexbeck? Tu veux jouer quoi? J'en fais une dernière. Oui. Ah, bah c'est comme ça. Hello VexB, ça va? Ouais, ouais. Attends, j'ai mis le stream du coup. Tu veux jouer quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bon, ça, peu importe. Mais non, vas-y, t'as bien perfo en plus, donc vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, t'as vu les scores à la fin de la game ou t'es dans le fond? Non, j'ai pas vu qu'on était j'ai pas vu les scores, pardon. On était dans le fond quoi. C'est juste vraiment dans le bas du tableau. Pas compris. De what? On était dans le fond? Je te jure. Plaît-il? Alors certes j'ai pas capé en bébé, mais tout de même. Je crois que je suis même pas à la moitié. Je crois que t'es juste à la moitié et je suis juste en dessous de toi. De fuck, je fais 160 000. Ouais, j'ai fait 3 kills, j'ai fait 1300 points et toi 1380. Je mets 48k à un Georgia, faut que je fasse quoi de plus là? C'est voilà. Quoi cette fistinière là? Ok. Bah après parce qu'on fait pas de... Ouais, toi en plus t'as fait des kills quoi, je comprends pas. Bon écoute. Ah j'étais à 90k je pense. Juste comme ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais. Bah je dois monter mon commandant sur le Demoine en fait, donc... go, on y retourne. Moi j'aimerais bien faire une belle game en Cold Bird. En Cold Bird. Attends, hop. Et Kavix, les CB, eh ben on est tombé finalement au bout d'un moment sur la fameuse compo un peu maladive des full Stalingrad. Vous avez des diplômes? Ça fait un peu... C'est dommage parce qu'on avait vraiment du full fun. D'ailleurs, il y a un replay chez Momo qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Ah bah Nash, le sac... Ben oui, bien joué moi, j'avoue. Et donc, pour revenir à ça, au clan battle, ouais, ce full Stalingrad, moi ça m'a un petit peu démo, je t'avoue. Je l'avoue sans mal, ça m'a un peu démotivé des clan battle. J'étais content avec le confinement de pouvoir en refaire, mais de voir que la méta elle évolue là-dessus, ça me fait un peu suer, ça me fait même totalement chier, on va pas se mentir. Et voilà. En vrai, je pense qu'il y a un compte tout indiqué pour ça. Il y a quoi? Il y a un contre tout indiqué pour ça. Pour Stalingrad? Ouais. Vas-y. C'est pas meur à cheveux. Bah, Venezia. C'est la seule compo, c'est Venezia actuellement. Spammer à cheveux. Venezia, Worcester, tu vois spam à cheveux en cloche et. Venezia, Worcester, le truc d'un Wooster, si t'as pas la bonne pose pour choper un Staline à 18 bornes, bon courage. Hein. Avec un radar à 12, il te démonte. Tout ce qui est statique sur ne peut pas gagner face à une paire de Staline. Bah, si t'es derrière ton île en soi, il peut pas te choper. Toi, t'as tes tirs en cloche. Ouais, il faut quand même les spots, hein, les Stalingrad avec le CV peut pas être partout. Vu que jamais ça marche par paire. Je suis pas convaincu. Ouais, mais les radars, justement, typiquement, sur une compo à 6 avec 5 navires de surface, tu commences à être cruellement en rad. Il te faut au moins des radars à 12. Donc si tu fais Stalingrad x2, t'as des moines Wooster. Encore Wooster, je suis clairement pas pour. Il te faut double Venezia. Donc si t'as double Staline, double Venezia, il reste qu'un ship. Non, la compo elle est vraiment axée sur Venezia et Stalingrad. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Tu la reportes ou tu la complimentes? Les deux. Comme ça reste neutre, tu vois, ça navigue un peu neutre.
autre truc. Ouais, c'est pas sur C. Hein. Là, j'allais prendre son feu. Jutland. Non, mais c'est Jutland qui nous spot. On a un radar. C'est Ben qui est radar. Ouh, le Donskoy, le pire virage. Donskoy living sur Soon après ton radar. Je suis approché pour que vous ayez un spot les gars. Ok, ça c'est fait. Petit 15 KD. Y'a un Kita qui s'est bitch là, Kita s'est bitch. J'ai pas la range malheureusement et Jutland s'est barré. Je reviens sur backup. Je suis full speed avec le boost derrière toi, 3 minutes. Disons qu'il y a Henri 4. Il y a Henri 4 et, et GK. Et Mosva qui est dans ton flanc. C'est pas gérant, c'est trop. Il a la petite direction, retour pété. Torpille. Ouais, je suis soucié de renvoi donc. Mon flanc Musashi là-bas. Fletcher qui cap. Ouh le Henri il est ouh il est alors il est bien de flanc là. Ouais, le problème c'est que là, niveau soutien. Si on s'y attaque, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça tape, ça passe, ça passe. Ouh ça. Ouh yo yo. What the fuck is doing with this shit? Mais y'a un GK là. Y'a qui push la cape comme un neuneu là. Ouais c'est ce que je vois. Bon bah. Ça sert à la peine. Je passe pas au-dessus. J'ai Saint-Louis. Je fais attention à mon side. Y'a H4 qui va arriver aussi. Ouais. Toi qui l'a démonté comme ça le Saint-Louis? Non. C'est ouf, pourquoi je picote moi, je peux pas démonter des gens. Ah, c'est ça, moi je suis vraiment le relou en fait. Je suis le chip relou. La bouche quand il fait chaud là. La tique. Qui tourne autour et t'arrives pas à écraser. C'est ça. C'est littéralement ça. Par contre tu mets pas d'incendie, c'est la tique qui met. Je gobe un peu. Ouf. Sashi et un Jean-Barre. Ok, c'est dégage. Y'a une donne qui va arriver de flanc là. Ok, Jean-Barre, merci. C'est ce que je voulais éviter. Okay. Musashi, merci. Une salve en moins sur les collègues là-bas. Bah, seul point noir, c'est quand même un gros point noir. S'il n'y a plus de stratégie et que tu te reposes uniquement sur la singularité et sur des paires qui doivent fonctionner et qui peuvent pas louper une seule opportunité de flanc de ce que tu veux. Si tu loupes ton flanc et ta cita, tu l'as dans l'os quand. C'est marrant, on dirait la doctrine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale où c'était l'individualité de chaque navire par rapport aux autres de la même classe. Ouais. C'est vrai, tu as raison là-dessus. C'était ça leur point. Des gros bateaux qui démontent tous les autres bateaux en V1, voilà. Ça, on va gagner. Oh putain, je te bloque, excuse-moi. Non, pas de soucis. C'est moi qui prends, c'est mérité. En fait, on est en plein.
faut avancer, il n'y a plus rien sur le flanc. Hein. Oh, il est fou. Je pense que c'est quoi tous ces gens de flanc? Ça a dit ce flanc, mais je touche pas trop en 15 bornes. Est-ce qu'il s'est arrivé aussi? Ah, enfin un incendie sur Mosvar. Ah, Linden, le retour. Roger. J'ai mis les drops, je sais pas trop ce qui. C'est pas des torpilles, on part de Linden, l'H4, je sais pas. Il y a un jambard qui arrive sur le flanc là. C'est pour moi. Adieu. Je prends ma dev. Oh joli. Et puis je la rumine pendant quelques jours. Voilà, par contre je suis en pile crossfire, tout ce que je veux pas faire et je veux pas être. J'ai pas eu de bol qui va respecter. Le boss voit, il s'attendait pas à me voir, il m'a vu, je tire dessus, j'arrive avant. Plus spot. Je fais des peines, pas d'over, je fais des peines, de l'over peine, pas de pouk, tita. Pas une. Sur Jean-Baptiste. Le Fletcher, nice. Ok, donc j'ai plus possibilité de crossfire si je vais. Lui qui se rapproche, les deux, j'aime ce que je vois. Jean-Baptiste va tomber en plus. Bon, pas mal, même si je suis que 45 000, 3 incendies. 3 incendies, 230 coups bus. On est sur un taux d'incendie minable. Je crois que même leur rogou m'a fait mieux du coup. Ah bah oui. Se trompe, qui ne choisit pas la chose qu'il devrait choisir. Le public aussi se trompe.
c'est fini. Bon. Pas tellement eu de match non plus. On a un peu serré les fesses sur backup au début, oui. Mais alors après, une fois le GK passé, c'était. On l'aura couru après. Oh mon dieu. Ma game, hein. T'as fait ta game toi, GG. Je suis premier de ma largement premier. Non, puis moi j'ai pas les incendies qu'il voulait aujourd'hui. Pourtant j'ai enlevé IFHE, enfin il me semble, je vais regarder, mais je pense bien avoir enlevé IFHE. Mais j'ai pas fait tant de dégâts que ça. 9k sur le GK, 11k sur le Kita. 14 sur le Kita. Ouais, on vient de perdre comme des merdes avec Kalim, Kanaf, Insomnia, Magique. Vous étiez dans la game d'à côté. J'ai tout dans un appel of snipe. Bah tiens, on repart en T10. Je n'oublierai pas le snipe cette fois-ci. Hello Jokimbi. Ça va, tu fais des heures sup? Oui, vraiment l'envie de décompresser un grand coup ce soir. Et toi, comment vas-tu? Go faire du CV? Bah j'ai pas de CV autre qu'un tier 6. Donc on va repartir en tier 6. Gerchichichisme. Après je pourrais tester du California. J'ai les crédits. Putain j'ai 24 millions mais je pèse dans le game, ça y est. Je suis un CC riche. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout. On part en 6? On part en 6 ouais. Je crois pas que le succès m'ait beaucoup changé. Je pense que le temps m'a un petit peu changé. Attends, je vais vite aller faire pleurer le colosse, j'arrive. Vas-y. J'ai envie de les grinder vite, alors je vais mettre aussi un camouflage CC. Grave Zep. Ah, je vais voir si Vex. Vex, attends, je vais attendre qu'il revienne. Ça se trouve, j'ai envie de faire une 8-9-9. Juste pour la blague, j'ai envie de faire une 8-9-9. Avec double avion spotter sur les Musashi. Après, il faut que je graine aussi ces machins choses là. En T6, il y a quoi qui peut tirer très loin? Fuseau? Fuseau? T7. CVT6 avec 2 T7. Même si c'est. Non, c'est de la fail dive. C'est de la grosse fail dive. Quoique non, CV, tu peux t'en rendre du tir 8. Ouais. Et en tier 8, t'as Richelieu qui tire loin. T'as Norskal qui tire loin. Tu peux te faire backfire facilement. Warspite tire loin. Ouais. T'as un Musashi. Non. Pourquoi? Ah, non, c'est comme ça. Je vais faire une 8-9-9, mais tu l'as pas. Allez, Zou, on part en tier 6. Mais non, mais. J'ai du Georgia et. J'ai d'autres trucs, hein. Ah ouais, en 6. Faut bien que je les graine aussi, je fais comme Swagger, faut que je graine ces trucs là. Hein. Non, je peux pas. T'as pas de T6? Si, ah, mais pardon. Je me dis tiens, double CV, je me dis tiens, peut-être marrant, puis en fait. Non, tu ne peux pas. Allez, snipe T6 avant que j'oublie. C'est marrant ce sort, ça aurait été ou T10 ou T6. Il y aura pas eu d'entre deux. Il faut lui donner de bonnes choses le temps possible. Je vais monter les CV allemands avec la magie de la Free XP. C'est vrai que vous devez être bien blindé avec les clans battle chez les whip. T'as dû gagner aussi beaucoup de Free XP au KOTS, lol. Siberia avec nous en Boudioni, nice. La team d'à côté n'existe plus. Re! Mais viens, allez! Des salles et sans viens! Non, DD. Pourquoi je peux pas t'inviter à Division. Allez, open. Ouais, allez, open. Bon, après, qu'elle soit. De toute façon, on est dans la même bataille. Hein. Bon, toi qui l'as voulu. Game sans DD. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai un peu plus de réussite que. Depuis le début de la soirée. Je pense que ça donne. C'est qui le couille qui vient en Belfast? Ça va, il est avec nous.
Putain, ils ont une dive bien, bien cancéreuse aussi. Hein. Les TBA là, oubliez quoi. Atlanta, Belfast quoi. Moi je me suis tapé les TWA juste après m'être barré. Ah, pas mal. Mon équipe s'est fait défoncer la gueule en ville. J'ai pris focus. Bah, game en Charles Martel ou 20 000 de dommages. Tu t'es fait blap? Non, c'est juste que bah mes obus n'atterrissent pas là où je vise. Je sais pas si j'ai des synchro ou quoi que ce soit. Je ferais chier avec la fibre. Mais et puis quand ça touche, ça fait 2 de dommages alors que c'est du 203. On va pas acheter. Là, typiquement dans la game avec Canaf et les autres, je vois un Zao à 8 bornes à l'arrêt avec mon Venezia. Je tire une full salve AP droite sur son broadside. Il est à l'arrêt, donc je vise sous la cheminée au niveau du ras de l'eau. On me dit ok, t'as fait full overpen. Ouais, moi je comprends pas non plus, j'y savais déjà arrivé. Non, mais là, je. Un minot à l'arrêt dans sa smoke, j'arrive à porter de détection, mais je suis à moins de 2 km. Je mets tout dans la cita. Hein. J'ai fait 10 overpen, je pense. Je m'en vais pas la moitié. D'accord. Ok. Non, mais. D'accord. Honnêtement, faut qu'ils arrêtent avec les overpen de cita. Je lui mets pas. C'est ce qui tue, c'est ce qui tue le gameplay. Mais non. J'y mets pas aux shorts. Oh. Alors j'ai un shipper qui m'en tire de malade. Tiens, en tout cas. T'es parti de quel côté? Je suis là. J'ai une espèce de bateau avec un skin. Non, non, j'ai vu, c'est juste que j'avais pas regardé où t'étais parti. Ce qui est un peu dommage. Non, parce que j'ai gagné le chip et puis j'ai gagné le camo dans un autre container. Pas t'en plaindre, hein. Baf. Sur un bateau que je joue qu'en T6, quoi. J'ai des prémiers en T6, j'ai pas de navire de ligne en T6. Enfin, si, j'ai un porte-avions, mais vu que ça devient plus un porte-avions, j'avais pas. On peut pas mettre un. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, Soul, les broadside ne sont plus du tout punitifs. Enfin, les bébés ont beaucoup de mal à punir les croiseurs broadside. Là, bah, avec du 203, j'ai pas pu punir un croiseur broadside aussi. Alors, le mec était à l'arrêt en plus, je peux même pas dire que j'ai pas visé là où il fallait, quoi. Enfin, le mec qui est à l'arrêt, et le jeu arrive à me dire non, mais t'as fait 6 overpay. Bah d'accord, avec mon Venezia je ne tirerai plus jamais à la paix du coup, hein, vu que visiblement. C'est un alpha d'AP de ouf, hein, le Venezia. Mais oui, mais j'aurais dû délater le Zao, mais le Zao il a fait non, je prends papier, tu vois. Bah justement, ce qu'on disait tout à l'heure, il va vachement des synchros, même moi j'étais en d'un quart à l'heure le London. Ouais, mais ça en devient ridicule, c'est ça qui est con quoi. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il faut jouer débile quoi. C'est pas plaisant. Faut jouer débile. Tiens la paix, moi je pense. Enfin, je sais pas comment ça a été pour toi, Inso, pour Canaf ou Kali, mais moi sur cette partie j'ai rien pu punir. Sur la partie du précédent. Je finis à 16 000 de dommages, grand bonheur, avec un véné, hein. 40 obus au but, 16 000 de dommages. Allez, beau broadside le short, voilà, nice. Ouais, il a pris une cita, mais je fais pas beaucoup de dégâts. Le Nagato est à l'arrêt par contre. Hein. Ouais, désolé, j'ai de la merde qui passe dans mes oreilles là. Voilà. Et puis YouTube qui passe de la merde. Le Nagato, peut-être. Ouais, non, mais là il viendra accès. Ouais, non, mais c'est franchement, Canaf, je vous ai dit, vous avez mis trop de temps à pocher. Sans ce qui est fait, hein. Je vous donne juste mon avis sur ce qui s'est passé. Vous étiez pas les seuls fautifs, mais c'est vrai qu'on a manqué de bébés. Okay. Moi, j'ai manqué de réussite complètement sur ce Zao, par exemple. Voilà. Je suis avant-dernier de la game, hein, je vous dis. Hein. Mais c'était toi en.
Non, non, c'était, on n'était pas sur votre game, on n'était pas sur votre non, game. C'était un saut en, avec son, son Yama. C'est ça, on manquait de Loulou. Ouais. Bonne nuit Loulou d'ailleurs, qui va se coucher. Bon courage pour les cours demain, Loulou. Bah, les cours un samedi. Ah oui, il va bosser ses cours demain. Oui. Ah oui. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'avenir que d'aller là. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont foutu des parachutes à tous mes obus ce soir, c'est impressionnant. J'arrive à viser derrière avec un foutu bulioni quoi. Quand même. Ce qui est bien, c'est que les adversaires visent aussi derrière moi. Parce que si Nagato il visait juste, je serais en train de hurler là. Bioni, c'est pas son point fort de blindage. Non. Après, quel tier 6 peut se vanter d'un blindage, tu vois? C'est clair. Grave Zev, Grashpé. Ouais, mais c'est un cuirassé, un Grashpé. Non, non, c'est un non, croiseur. C'est un croiseur de bataille, hein. Ouais, mais j'en ai... c'est un petit cuirassé, quoi. Ouais, c'est un cuirassé de poche. Oui, mais il est dans la catégorie croiseur. Ouais, mais c'est un cuirassé de poche. De base, c'était la chemise de chemin. Oui, oui, non, mais... Mais c'est un truc hyper blindé. C'est pas... Après, tu vas pas faire le job d'un cuirassé avec, hein. Pas déconné non plus. Non, mais bon... Bon, bah, 32 obus au but, 11 000 de dommages. Super. Pas IFHE, ça se sent. Beaucoup de Konigsberg, évidemment. Ouais. Pas. Putain, par contre, méfie-toi, Light peut te défoncer à la paix. S'il vise bien. Je suis trop loin pour t'aider, par contre. Il va se faire. Il se fait ouvrir. Vraiment eu de la chance qu'il te shoote pas à la pêche sur ça, sur ton angle au départ. Hein. Parce qu'en plus le Konigsberg et cette tour à l'arrière qui tourne à 360 degrés, ouais. Il aurait vraiment eu juste à faire un tout petit turn et il pouvait te larguer une full salve. Hein. Bien joué pour le. Par contre on perd Atlanta. Et on perd Grashpé. Je me suis fait bluff par le bail. Ah bah oui, t'étais pile comme il faut. Eh, je lui mets un incendie avant de mourir. Je partirai pas sans rien. Il y a un opus qui l'a touché, incendie. Allez. Celui qui va partir sans rien, c'est moi là pour l'instant. J'ai pas de dommage. Je suis hors portée. Ça se passe mal de l'autre côté, j'ai l'impression, grosse. Quel côté du nôtre? Ça va. Ouais, de là où t'es. Ça va. Bon, regarde, prends si on est. Pas nettoyé, je suis à 19 000 de dégâts, faut déconner. Par contre, voilà, le Belfast met des doubles incendies, moi j'y ai pas droit. Après, je spot le Texas. Ah, mais je pensais que le Belfast il avait que les autres UAP comme sur un minot. Non, c'est pour ça que Belfast. Belfast a été la deuxième erreur de type Smolensk que Wargaming a faite. C'est d'ailleurs, enfin, c'est pour ça que Smolensk, je ne comprends toujours pas comment ils ont pu refaire cette erreur pour la troisième fois. La deuxième erreur, ou c'était quoi la première? Kutuzov. Spamacheux 150 avec à longue distance avec Smoke. Ah oui oui ouais. Belfast a été la même d'un tiers en moins avec en plus un radar dans sa smoke. Peut-être partir en fait finalement. Ça va revenir ouais, sur ils reviennent. Hein. Et après ils nous ont fait Smolensk. Ils ont aucune excuse, Zos. T'as pas le droit de te planter trois fois d'affilée. Il sort des chips qui existent déjà, qui ont existé, qui étaient sur le projet, parce que bah... Oui, mais dans ce cas-là, tu refais pas l'erreur de mettre une smoke et le spam à chaud. C'était pour ça d'ailleurs, pour les croiseurs anglais, les légers, ils avaient dit on ne mettra pas la chaud. Vais-je avoir un jour un incendie avec des bombes à chaud, quoi? Non, c'est très bien que t'as pas le droit. Hein. Non mais mec, entre moi j'ai l'impression de jouer des dés, de prendre un incendie à chaque fois qu'un avion me passe dessus. Et moi, dès que je joue ces crottes, déçu. Mmh. Ah, mais enfin! On va y arriver. Ah, c'est comme il dit, Swaggy, il faut se plaindre et ça arrive. Aircraft carrier detected.
Merde. Ah oui, t'es un peu en avance. Il revenait, ouais. Alors, je me dirige vers toi pour ça. Si je peux leur faire dévier leur tir le temps d'eux, moi ça me va. Par contre, ils jouent en Wolfpack, hein. Vraiment. Ah ouais, non, là c'est gros Wolfpack. Bayern vient de reprendre un feu normalement. C'est sûr, moi. C'est bon, j'encaisse. Bayern. Ou Nagato, par contre, je suis moins chaud. Bayern. Non, Bayern Reaper. Donc si tu peux. Il est devant le Wolfpack, donc tu vas pouvoir le drop. Ah. C'est peut-être un peu coucou, là, ça. Ouais. Ah oui, t'as pris un gros coucou, barre toi. Salut. Ouais, la game est équilibrée, hein, faut être honnête, la game est équilibrée. Peut-être un peu grid là quand même, je suis plus spot. Ah mais casse-toi. Casse-toi loin avec toi. Je suis toujours spot en vrai. Ça, j'allais dire, de toute façon, ils ont perdu leur DD, mais non, il n'y avait pas de DD dans cette game. Après, t'as de la chance parce que. La chance apparemment, les... Ouais, parce que les gens, attention, ils savent pas viser, ils savent pas viser. Juste que depuis tout à l'heure, je dodge dans tous les sens, je fais ce que je peux là. Ah, mais là, on va prendre l'avantage, on va caper un point normalement. Eux, ils en ont pas. Et ça va nous donner un avantage. Par contre, je vise comme de la merde. Hein. Oh, il prend des kills et tout. Pourquoi je prends des kills? Il allait se protéger avec l'île. Non, mais t'as très bien fait de prendre. Ah, l'île, il était par lui, hein. Là, l'avantage, c'est que j'ai dévié 34 le Bayern, moteur. Ah non, le Bayern vient de réparer, donc il a plus moteur pété. Par contre, il doit avoir usé sa répa. Le seul truc, c'est que j'ai dévié 34 de leurs dégâts qui étaient vers moi, au lieu d'être vers des chiffres de surface. Donc, c'est le seul truc que j'ai fait, j'ai tanké. Bah. J'ai tanké 500 000. Non mais t'as fait au moins ça, pardon. Putain, notre belle face qui est en train de mourir. Là j'ai un Myoko sur mon flanc. Ah non. Ah si j'ai un Myoko sur mon flanc. Il y a une autre Niezno qui va démonter David Jo en face. Ça sera une bonne nouvelle. Parce que là il vient de prendre tout ça, le Ryujo là il a peur de Myoko, je l'ai pété son gouvernail. Ryujo, faudrait bien le sortir aussi. Ah mais il y a beaucoup trop loin pour moi, je suis désolé. Ah mais j'aimerais bien que Naizeno s'y colle en fait, pour éviter d'être trop spoté comme un schlag. Je veux bien avoir de la portée. Hein. Ah le Naizeno tire sur le Ryujo. Ça a combien de portée secondaire un Naizeno? Un Naizeno jusqu'à 7, 7 et des brouettes, ouais. Parce que là il est à 7-1 mais ses secondaires tirent pas. Et bien Kuriak, que se passe-t-il? Ouais, si tu le réclames aussi fort, moi je vais prendre plaisir, hein, mais. Mais non, mais c'est juste que c'est le confinement, je vois qu'en ce moment on est un peu à cran, c'est. Ouais, après le genre, c'est un constat, hein. Moi je vois que le confinement tourne un peu à le cul, on va pas se mentir. On a les nerfs un peu à cran. Bah, pour tout le monde, je pense que c'est le cas. Je viens de réaliser que je me mets à portée de tir d'un Texas. Mais c'est un mal nécessaire. Oui, l'incendie un peu chatard, j'aime. C'est un mal nécessaire. Putain, mais 51 000, mais je pèse dans le game. Je viens de voir ta. Putain, mec, je suis à 40 000 alors, te plains pas, tu sais. C'est honteux, non? Et tu mets un feu avec lui. Eh, hey, je vise bien, mais pas de feu, c'est un peu le. Oh. Ouais. Kuriak, fais pas la même connerie que moi, si le jeu te gave, lâche-le pour l'instant. Ouais, le jeu non, te gave mais... avec... non, reste pas dessus. Je veux dire, on a tous eu une passade, moi c'était justement pendant le confinement, il y a pas très longtemps, voilà, je devais m'éloigner de ma femme, vous le savez tous, pendant le confinement j'avais vraiment un peu les nerfs. Et il s'est passé d'autres trucs aussi à côté qui m'ont fini de me casser les couilles, je vais pas parler autrement. Et ouais, juste plutôt que d'aller streamer, d'avoir un peu la tête de ma tête de con, j'ai préféré arriver quand j'étais en forme, tu vois. Et voilà. Ah, revenez quand vous êtes en forme, franchement, c'est un jeu. Hein. Moi, c'est marrant, c'est un jeu qui me permet de chiller quand je suis énervé, je joue à ça. C'est des bateaux, c'est lent, c'est cool, tu vois. La croisière s'amuse, je sais pas, ça me détend. Ah non, moi, j'y arrive pas. Putain, je suis beaucoup trop. Enfin, je vois mes stats qui se cassent la gueule en boucle là, ça me. Oh. J'arrive pas à être chill.
Ouais, quand tu regardes sur la présentation qu'il y a, ouais, ouh, le 6000. PR, ça va. Hein. Oui, sauf que là j'étais avant le début du confinement, j'étais à 1410. Là je suis tombé en dessous des 1400, ça commence à me saouler. Bah, TikTok, je suis même pas à 1000. Oui, mais après voilà, moi j'ai envie de maintenir mes stats et je les vois s'effondrer en permanence, c'est pas agréable. En fait, c'est parce que je joue plein de bateaux différents, mais il y a des bateaux auxquels je suis mauvais, mais je m'acharne quand même parce que j'aime bien le style, tu vois, genre DD, la plupart du temps je fais des mauvaises games, tu vois. Il meurt que maintenant le Ryujo, ouais, putain, j'aurais pu qu'il serait mort. Très drôle. Quoi? Ils ont fait que se tourner autour, excuse-moi, mais Naizeno et Ryujo n'ont fait que se tourner autour. Ah, ils tournaient autour du Nil, c'est ça? Ouais. Bon, par contre, je me suis encore foutu hors de la game là, qui a été mon Texas. Donc, bon bah. Oh, c'était mauvais. On va dire, s'amuse. J'ai lâché le clavier et la souris, de toute façon, j'ai rien à la portée de tir. J'ai encore fait un très mauvais drop là. T'as encore des avions déjà, surtout. Ouais, j'ai encore des avions. J'ai plutôt pas mal économisé. J'ai fait deux rangs d'écho. Glock écho. Même pas de Kevlar. Non, pas de Kevlar, pas de greux, rien. Les refs ACS, quand elles ont. C'est ça, c'est la bonne grosse ref. Par contre. C'est la ref cybercafé, ça. La ref cybercafé, ouais. Par contre, le Bayern. J'ai un de mes meilleurs souvenirs de CS, c'est sur. Enfin, de meilleurs souvenirs de jeu, c'est sur CS 1.6, je crois. Ouais. Et c'était dans un cybercafé. Ah, les cybercafés, c'était le feu, mon gars, ce truc. C'était le feu. Tu dépensais tellement d'argent dans ce truc. À fond, mec, on avait tellement rien à foutre parce que tu passais tellement des bons moments. Ah. Enfin, moi, je suis pareil, je fais des petits heures dans les cybercafés et avec tout. Ah non, 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 moi on allait aussi vers 4 ans pour les coups de bourre, donc je pouvais pas faire 8 heures d'affilée. Parce qu'entre potes, des fois on allait tout un week-end dans un cybercafé, on dépensait 100 balles. 17 000, les gars, excusez-moi de vous couper, mais j'ai un gros sexe hein, ce soir, en CV. Ouais, tu. Je pense que là, Stargate, il y a du souci à se faire. Là, moi je suis sur ma seule game potable de la soirée. 70. Par contre, mettre une salve de roquette complète sur un bateau, ça c'est compliqué. Depuis tout à l'heure, elles sont toutes à côté. Un Flood, on aime. Ah, vous me laissez le Bayern ça ou pas? Le mal. Je te jure, c'est. On voit que tu joues jamais CD. Merde! Je dunk. Putain, t'avais un moment de venir dans la game et maintenant tu vas te. Je me suis tellement endormi sur le clavier que j'ai oublié que. Boink. Bah voilà. Boink. Oh, là, le Flooding. Non, j'ai pas envie de le spot le Bayern parce qu'il va me le voler, le Naizeno. Ah putain, oui, il était mort de portée pour moi. Le Flooding des familles. Le moustique. On m'appelle. L'été arrive, copain. Attends-moi. Ouais, on fait quoi comme score? Putain, je suis milieu de tableau. J'ai rien branlé. Non, mais je fais 61 000 de dommages, mais c'est que sur du bébé. Mais qui c'est qui vous met à l'amende en CV? Qui? Qui? La bra. Ah, l'amende, t'es juste deux places au-dessus de moi. Vous entendez? C'est le bruit de mon sexe sur le bureau. En même temps, je crois que les CV, plus tu montes dans les tiers, plus c'est compliqué à jouer. Oui. Ah oui. En tier 4. Le vrai sport, il commence en tier 8. Hein. Parce que bon, tu sais, quand tu tombes sur des chinonomés ou quand tu regardes sa défense AA, ça a 1. Bon. Je veux dire, bon. Tu rigoles? Oh là là, mais j'étais monstrueux! Monstrueux! Je les ai violés! Bah, après, la game était jolie, hein. Ouais, mais surtout le drop de qu'a vu Vex de roquette. Tain, il a tout mis à côté, il y a une roquette qui part toute seule sur le côté, ça touche, ça met un feu. La roquette bigle, c'est. Ouais, c'est ouais. La roquette pourrait du tas, mais elle a mis un feu hein, quand même. Oh là 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 là. Du coup, il y avait les tics, tu vois, ça tiquait du feu. Okay. Bon. Ah, je t'ai refait. C'est quand tu tires en bébé que t'as un obus au pif qui part à côté. C'est le seul qui est pas dans le drop, tu sais, mais c'est le seul qui touchera et fera Cita derrière. C'est oui, ça. Mais c'est arrivé, je pense. C'était con, je crois que c'était dans le plan War. Merci Arspire 2 pour le follow. Je sais plus qui c'était, il met une bordée complète, tu vois, il tire, et alors tous les obus, mais il vise trop loin ou trop derrière. Donc tout part sur l'arrière, et t'as un obus qui part tout seul en mode. Moi je suis solo, je respecte les gens, je suis un peu asocial. Il va, pouf, Cita, tu fais ok. Et cordialement.
Mais vraiment, tout, ils étaient tous groupés et t'en avais juste un qui a tiré la gueule, qui est parti tout seul. Et Missita, ok. Bon, les loulous, il est quand même 3 du mat, 3:36 même, bientôt 4. On va peut-être aller se coucher, je pense que ce serait bien. Surtout que je dis, moi je me lève dans 4h30. Ça a piqué sévère. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tous d'être passés, que ce soit pour du Apex, sac à dos, mais alors Team sac à dos level up, hein. Ou alors sur ce petit milieu de nuit en Warship. Merci à tous d'être passés, gros bisous. On se retrouve certainement demain sur la WOSFR, enfin tout à l'heure en fait. Oh, je vais avoir une tête décomposée, mec, j'arrive. Ah bah, moi tu m'oublies oui. Par contre. Hein. Bonjour, c'est CrossWax. Alors aujourd'hui, l'idée c'est que on va faire des bateaux. On va regarder des replays. Voilà. Ah ouais, mais c'est pas con ça. Et je vais vous passer le replay en scred d'aujourd'hui, vous n'y verrez que du feu. Toi tu pourras dormir. C'est ça. Je serai à côté, t'es en train de dire que tout va bien, c'est bon, le stream tourne. Il y a beaucoup de monde chez moi, je pourrais pas regarder le chat. C'est ça. T'es parti. J'ai la femme de ménage, le mec il s'invente des problèmes. C'est... Ah non, je peux pas. Là, j'ai le micro-ondes, là il fait un bruit de dingue. J'ai la machine à café. Le problème c'est que pendant le replay tu vas... Ah ouais non. Vous voulez quand même le comble du mec qui habite pas chez lui, qui se fait réveiller la nuit par des bruits très chelous. Cette nuit, enfin la nuit précédente, histoire vraie, 100 milliards de pourcents. Je suis là, je suis en train de dormir et tout, et puis je me réveille, j'entends un bruit chelou, je crois qu'il y a quelqu'un. Donc une maison qui n'est pas à moi, hein, on rappelle. Regardez la vidéo du live IRL si vous l'avez pas vu, où je vous montre un peu le décor vite fait. Mais je me tâte à faire vraiment un live IRL de la maison. Bref, il est 4h57 quand je me réveille, genre c'est quoi ce bordel? Et un bruit vraiment de bizarre, que je connais pas d'habitude. Et en fait, c'est la machine à glaçons du congélateur qui s'est mise en route cette nuit à 4h30 du matin. Qui produit des glaçons dans un bac que tu tires. Dans le bac, t'as plein de glaçons. Et moi, la journée, bah, tiens, j'ai un peu soif, je me fais des citronnades, voilà, quand je bosse. Et du coup, elle s'était mise réellement en route, de salope, à 4h du matin, j'en pouvais plus. Et moi, j'étais là, rendant la maison, tu sais, en slip, en mode... J'ai le chien qui est à côté de moi et j'étais en train de dire vas-y, on va le choper, lui il est en train d'essayer de voler le truc. Voilà. Sur ce les loulous, j'espère passer une bonne nuit sans glaçons et j'espère que vous aussi. Et voilà, à tout à l'heure sur la WOSFR, on va bien rigoler, ça va être fun. Yeah. Tchuss. Tchuss. À bientôt le monde. Et on finit en musique quand même, allez, on finit en musique. Attends, on va me laver les dents.